des femmes en termes d'accès au marché agricole, je trouve que c'est un projet très intéressant. Les organisations d'agriculteurs et autres groupes sont des éléments clés pour accroître la productivité et les revenus des producteurs en Afrique subsaharienne. Il est important d'observer que les investissements de développement sont plus grands lorsque les petits exploitants et les femmes sont inclus. Quand l'appartenance aux organisations d'agriculteurs dépend de la propriété foncière, ces organisations restent et resteront dominées par les hommes. On a compris que les femmes ont une bonne maîtrise de leur rôle dans les différentes filières. On a compris aussi que les femmes ont beaucoup de pesanteurs jouées par rapport aux questions d'approvisionnement, par rapport aux questions d'intermédiaires, par rapport aux questions foncières, par rapport aux questions d'équipement. Donc on se rend compte qu'il y a des filières qui ont une vraie valeur ajoutée, mais elles ont beaucoup de pesanteurs qui ne leur permettent pas de valoriser de façon rationnelle ces filières-là. Donc ça, moi je pense que c'est ça qui va aider Oxfam et l'ensemble des acteurs du développement à voir les résultats de cette analyse pour voir concrètement si on veut aider les femmes. Voilà les niveaux d'activité au niveau desquels elles sont plus actives, elles travaillent collectivement et c'est là où on peut les apporter plus de revenus. L'entrepreneuriat féminin est un sujet qui préoccupe beaucoup la société actuelle, surtout au niveau paysan où beaucoup reste encore à faire pour le favoriser. Cette activité n'est pas bien développée au Mali. Certaines études ont démontré qu'avoir plus de femmes paysannes entrepreneurs garantirait un développement rapide des régions, surtout par l'arrivée de leurs petites entreprises de transformation. Cela changerait la situation sociale des transformatrices et elle développerait des façons de faire et des techniques nécessaires à l'obtention de produits de qualité. Nous avons suivi cette brave dame dans son village, Fama, situé à quelques kilomètres de Sikasso. Elle œuvre exclusivement dans le maraîchage. Ce projet pour elle est une belle opportunité à saisir pour toutes les femmes qui veulent s'éloigner de la pauvreté. En Ouganda et au Kenya, par exemple, les femmes ne représentent qu'un quart des membres des coopératives agricoles.
au Mali et en Éthiopie, dans les zones où travaille le programme Oxfam, le taux de participation des femmes au sein des organisations de producteurs formels dans les secteurs du coton au Mali et du café en Éthiopie est de moins de 10%. C'est dire que les programmes doivent être basés sur des données solides et rigoureuses concernant les types d'actions collectives qui marchent le mieux pour les femmes. Notre constat, ici au Mali et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne aussi, c'est que malgré un certain nombre d'efforts, on ne réussit pas encore à vraiment appuyer les femmes à avoir un pouvoir économique stratégique dans les marchés agricoles. Donc, c'est pour améliorer même nos propres actions vis-à-vis de cet aspect qu'on a décidé de mener ce projet de recherche et au Mali, dans les deux régions, et aussi dans deux autres pays, donc l'Éthiopie et la Tanzanie. Je pense que ce projet il est extrêmement important en termes d'originalité. Il est important en matière de reconnaissance de la place dans le processus de développement, mais surtout de réduction de la pauvreté en milieu rural. C'est donc connu. Le milieu rural a simplement besoin d'un soutien en formation, en matériel et moyens de production. Aujourd'hui, c'est le combat qu'Oxfam mène en Éthiopie, au Mali et en Tanzanie. Ni ko de ma mi be jo yo ni la sura de yele ni ba ka de yo ni la.